Oui, Moussaillon, c'est Nakatine. Aujourd'hui, on se retrouve pour une. Oui, je me suis coupé les cheveux. Arrêtez, c'est bon, voilà. Il y avait trop de commentaires sur les cheveux longs, du coup, j'ai tout rasé. Et voilà. Du coup, aujourd'hui, petite vidéo un petit peu spéciale, un petit peu courte, pas trop prévue dans la semaine de base, mais voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Riot KL, le rioteur de Riot France, qu'on salue au passage et qu'on remercie beaucoup parce que ça va permettre de faire cette vidéo, m'a filé un petit code pour que je gagne, je débloque sur un compte en Europe Ouest. Alors, forcément, mon main est sur Japon, donc je pouvais pas le mettre sur mon main. Donc, sur un de mes smurfs que j'ai en Europe Ouest, on va pouvoir ouvrir 20 œufs de petites légendes directement. Alors 20 œufs de petites légendes, vous voyez, il y en a 10, série 1, 10, série 2. Je crois que série 1, c'est le griffon des Massiens, le petit chien et quoi d'autre? Le fantôme. Et série 2, c'est le pingouin, le blue buff et la taupe. Donc voilà, on va ouvrir ça en rouge. Donc j'imagine que c'est, je fais une vidéo dessus pour que vous puissiez, ça vous donne envie d'en acheter derrière, etc. On va quand même essayer de remporter deux petites légendes en particulier que j'aimerais bien avoir, que j'ai pas eu sur le PBE, alors que le PBE, t'avais autant, enfin j'avais autant de RP que je voulais pour en acheter des œufs. Et malheureusement, je les ai pas eu, donc on verra si on a plus de chance. Il y en a une dans la série 1 et une dans la série 2. Dans la série 1, j'aimerais avoir le griffon des Massiens version perroquet, parce qu'évidemment, pirate. Et dans la série 2, j'aimerais avoir le petit pingouin avec le de glace, parce que l'épée bleue, elle est trop classe. Du coup, vu qu'on va chercher à avoir un petit perroquet de pirate, et aussi, pour ceux qui auraient raté le stream spécial pirate, bah du coup, voilà, là on est tout de suite mieux. Du coup, voilà, petit cadeau hein, pour ceux qui auraient raté le petit stream pirate cosplay, voilà, on était habillés comme ça. Voilà, évidemment, grande classe, je perds des cheveux en plastoc, c'est horrible. Le cosplay de qualité, n'hésitez pas à passer sur les lives et à vous sub pour plus de petits événements comme celui-ci. Donc voilà, on est parti, on va essayer de choper donc ce griffon des Massiens. Je vois que j'ai 4 coffres également à ouvrir, j'ai pas de clé, mais j'ai des RP apparemment sur ce compte, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, on va ouvrir les coffres en plus à la fin. On va commencer par la série numéro 1, la plus importante, parce que c'est celle qui contient peut-être le petit perroquet. C'est parti, attention, tac. Alors, on a le... Attends, comment ils appellent ça en français? Le cornion cœur de lion. Cornion. D'accord. Ah oui, c'est vrai que du coup, bah, mon client il est en français, j'ai les noms en français. Je sais plus comment il s'appelle en anglais, mais ouais, c'est cornion. Ok, ok. Bon, alors du coup, lui, c'est la version enflammée, la version lion. Ok, donc en fait, on a une chance sur je sais pas combien de dropper, parce qu'en fait, il y a 3 différentes légendes à dropper par œuf, mais chaque légende a plusieurs déclinaisons, non seulement en couleur, donc je peux dropper, là par exemple, j'ai droppé le cornion de feu, là c'est le cornion de base, je crois, le volcanique, le normal, et en plus de ça, je peux dropper plusieurs fois les mêmes. En gros, quand tu droppes plusieurs fois le même, tu l'as ensuite en 2 étoiles, et en 3 étoiles, ils sont de plus en plus stylés. Donc voilà, il y a quand même assez peu de chances de tomber sur le perroquet. On va espérer, on s'est quand même mis en cosplay pirate, donc normalement, le karma devrait... Ah bah voilà, 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 du troisième coup. Alors maintenant, il faut essayer de le choper plusieurs fois pour essayer de l'avoir en 2 voire 3 étoiles. Et ça risque d'être cool. Et en plus, alors ce compte, en fait, au final, je vais peut-être m'en servir pour faire du TFT, parce qu'il y a un événement avec Sixen, PGM et d'autres streamers. On va peut-être faire des tournois TFT de temps en temps en live, donc ça pourrait être intéressant, vu que je suis encore au Japon, d'utiliser ce compte. Griffon d'argent de la rose. Oh, c'est la même version, mais il est tout rose, mais il est tout mignon. Je le connaissais pas, celui-là. Je savais même pas qu'il y avait une version rose. Ok, donc ça, c'est Hanteur de matière noire. C'est la version Void, j'imagine, du petit fantôme, ok. Hop. Est-ce qu'on va avoir des 2 étoiles un peu? Putain, mais il me file que des cornions, cornions de la toundra. Donc ça, c'est celui de Freljord. Donc apparemment, c'est un petit peu... Alors, ils sont inspirés du lore. Après, est-ce qu'ils sont canons dans le lore, pour ceux qui se demandent, histoire de champion, tout ça. Il y a le petit cornion, justement, on dirait un peu une sorte de horn. Voilà, on a droppé le 2 étoiles de celui de tout à l'heure. Donc le horn, on dirait un truc de... Enfin, on dirait un truc de horn, le petit cornion. Ça, on dirait un truc des îles obscures. Clairement, le skin de base, normalement, c'est un truc des îles obscures. Le griffon, donc c'est le griffon des Massiens qu'on en a vu dans le lore sur la mini-carte. Donc oui, ça existe. Ah, donc ça, c'est le skin de base, c'est celui des îles obscures, en effet. Ok, il ne nous reste plus que 2 œufs pour la série 1. Oh, cornion, cône à sucre. Ah, mais donc ça, c'est un légendaire. Donc ils ont chacun une version légendaire, ok. Pourquoi pas. Donc on a eu le légendaire, c'est déjà pas mal. Et ensuite le griffon d'argent des Massiens de base. D'accord. Donc, on n'aura pas eu le perroquet plus d'une étoile, mais au moins on l'a eu, le petit perroquet. Donc c'est parfait. Maintenant, ce que je voulais donc dans celle-ci de série, c'est le pingouin de glace. Parce qu'il a une petite épée bleue, je le trouve trop stylé. Donc, c'est parti. Bon, on a direct le légendaire, le ténébreux, regardez. La tronche, ça me tue, c'est très con. C'est très très con, mais ça me tue, la tronche des petites légendes, c'est un truc de fou. Alors, ok. Ah si, lui, on peut le choper en 3 étoiles, ça me va aussi. Hein. Chevalier plumé canari. Ok, non mais vas-y. Bon, au pire, j'ai tous les skins des petits pingouins.
C'est parfait. Taupe d'eau douce. J'en avais aucune de taupe. Alors j'ai eu beau ouvrir un milliard d'œufs sur le PBE, j'en ai eu aucune. Et du coup, c'est cool. Chevalier plumé extra épicé. Extra épicé, ils ont mis. Putain. Ok, donc on va voir tous les skins différents du petit pingouin, je sens. Sauf celui qu'on veut, évidemment, parce que le karma. Esprit runique sentinelle. Donc ça, c'est celui de base de la sentinelle. Pour moi, c'est celui qui va le mieux à Koro. Je sais pas pourquoi. Il est chelou, il a une petite fleur et tout machin, il se balade. Je trouve qu'il va très bien pour Koro. Je sais pas quelle petite légende utilise Koro. Taupe d'eau douce, level 2. Ok, nice. Putain, elle est stylée en vrai. Elles sont stylées les taupes. PF. Ok. Esprit runique de jeune pousse. Allez, allez, plus que deux. Petit pingouin. Bon, au moins on est... Oh putain, 3 étoiles, il est stylé, c'est la première fois que je le vois. Je connaissais pas du tout la taupe 3 étoiles. Pas mal. Ok, pourtant j'ai spammé les games, hein, j'en ai pas vu. Et taupe onélise, donc ça c'est la taupe de base. C'est la couleur de base de la taupe. Ok, bon, on n'aura pas eu le petit pingouin qu'on veut, au moins on aura eu le truc du perroquet. Qu'est-ce que je voulais dire avant de switch sur les coffres? Dites-moi à quelle fréquence, dans les commentaires, ça vous intéresserait d'avoir une game de TFT par exemple. Genre, et je pense que je ferai un concept où on teste d'avoir telle compo avec tous les champions de la compo. Une par une, on fait genre tous les pirates, tous les démons, tout, etc. Et je fais une vidéo par compo. Donc dites-moi à quelle fréquence, ouais, ça, une fois toutes les deux semaines, tous les mois, tous les deux mois, à quelle fréquence ça vous intéresse. Parce qu'il y a des gens qui adorent ça, il y a des gens qui n'aiment pas du tout. Du coup, on va prendre des clés pour les petits coffres. Alors j'en ai combien? J'en avais 4. Oh, elles sont stylées les orbes. Est-ce qu'on n'achèterait pas des orbes pour que la vidéo dure plus longtemps aussi? Pour qu'on ouvre d'autres trucs encore. Attendez, je vais acheter les clés. On va acheter donc 4 clés. 2. On verra si j'ai assez pour des orbes. 3. Parce que je m'en sers jamais de ce compte. De toute façon, je m'en fous d'avoir des skins dessus. Enfin, des skins que je veux. Hop, autant s'en servir pour la vidéo. Alors, on peut acheter des orbes. On va pouvoir en acheter 2. Normalement. Ok, bon, bah écoutez, ça fera toujours du plus, hein. C'est déjà ça. Je sais pas ce qu'on peut avoir dedans. Je vais pas regarder, on va voir. Hop, alors. Tac. Du coup, Zbliss Blast Blue. Alors, on va pas ouvrir les 4 d'un coup, merci. On va peut-être reroll après aussi, on verra selon ce qu'on a. Et allez, un coffre. Et allez. Sad Mummy Ward, ok. Un coffre, une clé, essence orange, ok. Bah, c'est une ward gratos. Ward à Momo. Garen sanguin. Sanguin! Il est très sanguin. Putain, ce skin, qu'est-ce que c'est? Je savais même pas qu'il existait. Putain, je découvre des skins. Non mais ça va. Non mais attendez, qu'est-ce que c'est que ça? La vidéo, elle va durer à l'infini. Imaginez, j'ai un coffre et une clé dans chaque coffre. Comte Vladimir. Extecké. Hop. Alors du coup, ben, ça va être un Smurf au TP Riven. Je le trouve trop beau. En vrai, je joue pas du tout Riven. Je l'ai joué énormément pendant un temps. Mais ce skin, mon gars... Il est si beau. Vraiment, il est si beau. C'est un des skins les plus beaux du jeu, je trouve. Quand elle ulti, là, et qu'elle fait son full combo, avec la fluidité du truc, c'est trop trop beau, je trouve. Protoskarn. Mais attendez, mais j'ai de la chatte un peu, là. Mais pourquoi c'est sur mon Smurf que j'ai des skins bien, hein? Ça m'énerve. Alors, hop, le dernier coffre, attention. Amumu Pharaon. Mais qu'est-ce qu'ils ont à me filer des trucs d'Amumu? OTP Amumu, OTP Riven sur ce compte. Only. Du coup, non, en fait, non, du coup, on va vraiment... Quand même, attendez. Je sais pas, j'ai envie de reroll à Mumu. En même temps, j'ai pas envie. Attendez, on va ouvrir les orbes et on verra ce qu'il y a à la fin. Ouh, ok, je suis chaud. On en ouvre une. Et c'est pas ouf. C'est pas ouf. On en ouvre deux. C'est pas ouf non plus. Bon, du coup, on va reroll. On va reroll. Champion not owned. Ah, j'ai Riven sur ce truc. Ok, bon, on va reroll des trucs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est parfait, je peux reroll tout. Sauf Riven. Comme ça, j'ai deux skins. Hop. Jace déchu. D'accord, je ne possède même pas Jace. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le désenchanter. Ah, mais c'est parfait, ça, de pas posséder le champion, en fait. Parce que du coup, ça te donne la proposition, si tu n'aimes pas le skin, de pouvoir désenchanter. Donc, je vais le désenchanter. Pour pouvoir prendre le skin de Riven. Mais c'est parfait. Bah, en vrai, si j'ai envie de traîner Riven un jour, je pense, genre, si je me fais autofill top, je traînerai un seul perso et ce sera peut-être Riven. Et je m'entraînerai avec ce skin trop beau. Peut-être en stream ou pourquoi pas, je sais pas. J'étais vraiment chaud sur Riven à un moment. Je connaissais un peu les combos et tout par cœur. Maintenant, ça doit faire 2 ans que je l'ai pas joué après. Donc voilà. On va faire le dernier reroll pour se quitter.
Hop. Quelle osée l'éthérée, c'est stylé, c'est stylé. Je l'ai déjà sur mon main, mais c'est vraiment stylé. Ok, donc on aurait eu pas mal de trucs. On a eu le petit griffon qu'on voulait. Donc voilà, on va se quitter là-dessus. Juste, alors évidemment, il y a beaucoup de contenu TFT sur la chaîne en ce moment, vu que le jeu vient de sortir. J'en ai déjà parlé. On a fait un gros tuto aussi pour les règles, etc. Ça va s'arrêter. Là, ce week-end, je vais tout faire pour vous sortir une histoire de champion. Après, le truc, c'est que je suis pas là du week-end, donc il va falloir que je me grouille pour la préparer le plus vite possible avant que je parte. Donc c'est pas sûr, mais je vais essayer de vous faire une histoire de champion. Si je peux pas, vous aurez une game de LOL, etc. Je jouerai sans doute Shaco avec le nouveau skin. Mais voilà, il y avait beaucoup de vidéos TFT. En même temps, après, je dis ça, mais je trouvais que sur la chaîne, j'en ai déjà fait beaucoup. Après, j'ai vu les chaînes de Chap et Narcus, ils ont sorti 18 vidéos chacun. Voilà, en fait, je suis assez bien, mais on va quand même reprendre le contenu de la chaîne qu'on fait d'habitude, et on rajoutera à ça du TFT de temps en temps. Donc, comme je vous l'ai dit, votez dans les commentaires, je sais pas à quelle fréquence vous voulez voir ça, mais dites-moi, et puis je ferai une synthèse, je vais pas mettre de vote spécialement, mais dites-moi juste en commentaire, comme ça je regarde un petit peu globalement ce que vous en pensez. Du coup, ça a été un plaisir de faire cette vidéo pour vous en cosplay pirate. Si vous voulez voir d'autres vidéos cosplay pirate aussi, dites-le moi dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à plus, et je flash out. Ciao !